vous allez bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo course Lidl. Voilà, comme d'hab. Comme d'habitude, sympathique cette fois-ci. Ouais, on a trouvé pas mal de nouveautés, tout ça, donc on va vous les présenter. Ouais, des trucs sympathiques de Noël, tout ça. Quelques-uns, on n'a pas pris un truc de malade. T'as rien? Non, pas du tout, c'est pas mal quand même. Voilà, alors du coup on va commencer avec le surgelé. Monsieur a pris de la saveur de saison. C'est de l'écrasé de patates douces, pommes de terre et butternut. Il restait que deux en plus. Donc ouais, bien c'est fait. Pas mal, ça. Il en reste plus qu'un. Mmh. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu ça, j'ai dit oh, c'est un truc un peu de Noël, ça va être bien excellent. Là on a pris aussi le petit cuit sur pierre, une pizza au thon. Voilà, au poisson j'allais dire, mais non, au thon, voilà, nickel. Et il y en a deux dedans, donc voilà, c'est pas trop cher et franchement excellent. Donc on en avait déjà pris. Et elle était très bonne. C'est pour ça que je vous la conseille. Ensuite, on a fini avec le surgelé. On a pris de la terrine de campagne dorée au four. Ah, c'est super bon ça. Voilà. Ouais, ça change. Ben, la dernière fois, je l'ai vu et je me suis dit, bam, je veux, tu vois. Je le veux. Non, vraiment, je le voulais celui-là. La dernière fois, je voulais, je me suis dit, oh, peut-être, et là, j'ai fait, ok, vas-y, le prends. Et là, je dis, ok. Et là, on a pris aussi les petites brochettes apéritives, fromage frais et saumon fumé. Super bonne aussi ça. Et je vous les conseille parce que je sais absolument que c'est bon ça. Ça c'est super bon, il y a du saumon, il y a du fromage, ça te fait plaisir. Et c'est dans le rayon où il y a Noël, tout ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai pris du saucisson sec aux noix, il y a 38 tranches. Sympa, aux noix. Pas mal, ouais, aux noix. Je sais pas, ça doit être nouveau parce que j'ai jamais vu ce machin. Pas mal, pas mal. Jamais connu. Pareil. On a pris aussi 48 tranches, t'as pris un saucisson sec, c'est tout simple, ouais, hein, c'est le simple, voilà, le simple, voilà, 150 grammes, parfait, très très bien ça. Ensuite, monsieur a pris du filet de saumon pâte au basilic et sauce citronnée. J'ai pris un petit jambon emmental, alors je sais pas si c'est moi qui l'a pris, je crois bien que c'est moi. Hein. Oui. Le jambon club sandwich jambon emmental, alors je sais plus, je m'en souviens plus si c'était bon ou quoi, mais je sais que ben, les jambons au fromage, c'est bon. Et puis il coûte pas très cher cela, c'est un peu les moins chers je crois. Donc voilà, avec le pain normal, tout ça. Top! Ensuite, Maëlys, elle a pris du crudité, c'est une salade crudité jambon emmental et œuf. C'est pas un moment qu'on l'avait pas pris celle-ci. Non. Okay. On a pris bacon cheddar, madame. Je pense que c'est pour elle. Voilà, petit bacon cheddar, c'est magnifique cela. Ah, mais comment le pain il est super bon. C'est pain suédois là, trop beau. Ensuite, on a pris une tarte au poireau à la crème fraîche et à l'emmental. J'ai kiffé la dernière fois. Hein. Il y a quelques petits morceaux qui sont pas top. Mais franchement, de base, en général, elle est vraiment bonne. Franchement, bien cuite. Sympa. C'est pour ça que je me suis dit la dernière fois, j'avais pris une quiche normale. Je sais pas si vous en rappelez. Et c'était pas, oui, pas ouf et je préférais celle-là. Quoi. On a pris, t'as pris des petits gnocchi poêlés extra fromage. Ça fait longtemps aussi ça. Ouais, franchement, regardez-moi ça. Très très bon. On a hyper rue partout, hyper rue, top, top. Ensuite, on a repris du pilon de poulet pour demain. C'est ma mère qui vient. Et du coup, hein, la recette que j'ai fait la dernière fois, ils ont tous kiffé. Qu'elle était bonne, hein, pomme de terre, poulet, tout ça, avec plein de, d'épices. Tout ça, ouais. Ouais, plein d'épices. T'es trop bon! Oh, wow. Nice. Et là, on passe sur les petites bananettes hein, bio cette fois-ci parce que les autres qui étaient énormes, ben, il n'y en avait plus. Donc ben, ils ont mis des trucs tout verts à la place. Elles étaient comme ça, mais toutes vertes. Ouais. J'ai pas trop compris. Alors, c'est une variété ou je sais pas. Et pour moi, je vois du vert, c'était pas mûr. Hein. Ah voilà, ça restait encore un peu verte, mais bon, je pense que ça va le faire encore. Faut attendre un petit peu. Et puis, ça sera bon. Voilà, top. Ça faisait un moment. Des myrtilles bio. C'est vraiment trop bon de les manger comme ça. Et en plus, la dernière fois, elle aime bien, c'est très très bon aussi. Mais il faut faire gaffe parce qu'elle se feuille acide très facilement. Okay. Là j'ai pris des trucs vraiment sympathiques pour Noël. J'ai pris de la petite crème de marron. Voilà, crème de marron sympathique. Voilà, Lidl. Et vous devez en avoir chez vous aussi dans votre Lidl. Donc, voilà, nickel, hein, vraiment super bon cela. Donc, ça et sera pas pareil. Très cher en plus, hein, pour le proxé. C'était combien d'euros quelque? Ouais, c'est ça. Ouais, donc franchement, c'est top. Hein. Franchement là-bas, il y a vraiment des choses qui sont pas très chères, hein, certains trucs. Des produits neufs, nouveaux. Ensuite, on a pris un cœur de lion Coulommiers à gagner un séjour en famille et 80 jeux de société. Un séjour en famille, à France. Ouais, France. Alors, on a pris un petit Saint-Agur. Oui, putain, je fais avec vous. Et je voulais de base celui-là qui était onctueux et tout. Mais bon, hein, c'est pas grave, celui-là, je le fais fondre au micro-ondes et puis ben, ça fera de la sauce quoi. Parce que l'autre, il coûte vraiment trop cher, 2 euros et quelques. Ah ouais, mais du coup, tu l'as vu? Deux. La sauce que tu m'as dit. Ah putain, non, c'est vrai, j'ai pas regardé. Je voulais une sauce au poivre, mais tant pis. Non, j'ai pas vu, on n'est pas allé dans le rayon en plus. On n'est pas allé. On a même oublié les sacs poubelles, donc ouais. On a oublié les sacs poubelles comme les poubelles jaunes la dernière fois. Pour ceux-là qui ne sont pas suivis, c'était des poubelles qu'on avait achetées et qui ont disparu, on ne sait même pas où ils sont. Et moi, je suis sûr qu'on a pris sans faire exprès, on les a foutus dans la poubelle.
C'est possible, hein. On a pas les fruits, machin, les fruits, on n'a pas l'habitude de ce genre. Ensuite, on continue avec les yaourts. On a repris des crèmes brûlées à la vanille. Il y avait plus ceux que j'aimais bien, genre, bah, du coup, j'ai pris ceux-là. C'est sympa. C'est pareil, ça faisait un moment qu'on les avait pas pris, ceux-là. C'est clair. Ouais. Et là, j'ai pris des petites yaourts brassés comme la dernière fois. Il y a une semaine, deux semaines. Voilà, petites yaourts mûres myrtilles, ils sont vraiment bons, je l'ai déjà testé, et vraiment super bon, onctueux de ouf, et vraiment trop bon. Je vous le conseille en tout cas, si vous aimez la myrtille. Si vous n'aimez pas la myrtille, ben hein. Bah, le prenez pas, quoi. Donc voilà, donc sympathique, comme vous pouvez voir. Vraiment cool, je vous le conseille, c'est vraiment super bon, vraiment super bon. Même pour ceux qui se disent, ah putain, j'aime pas trop la myrtille, ben franchement, c'est un yaourt, vraiment, c'est sucré. Vraiment. Ensuite, on a pris crème de dessert. Crème de dessert, hein. Toujours crème de dessert. Au caramel, voilà. Vraiment bon, vraiment bon. Vous savez que le caramel est plus cher quand même que le vanille, hein. C'est ça le pire. C'est fou hein, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ça. Pour moi, je vois pas vraiment la différence. Alors, on a pris des crèmes de dessert vanille aussi. Voilà. Magnifique. Et Maë a pris des petits pots de crème cuit au four saveur vanille. Top hein. Si on n'aime pas la vanille, il faut le dire. Hein. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Mmh. On a fini avec tout ce qui est frais. Frais. Du coup, on va passer au gâteau apéro. Ouais. Allez, go. Allez. Donc là, on va commencer par les petits chips. C'est pas des apéros. Il y en a deux. D'accord. Pouette. Alors là, j'ai vu celle-là, Snack Day. Donc je sais pas si j'en avais déjà vu, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois. La première fois que je vois Snack Day. Donc Deep Rift, goût barbecue, donc voilà, vraiment sympathique. Et vous voyez, c'est des tuiles ondulées. Et ça, j'adore les tuiles ondulées, c'est vraiment trop. Je les trouve hyper craquantes, comme tu vois. Oh, c'est mignon. Ensuite, c'est pareil, on a pris des chips à la crevette. Voilà. On a oublié un frais derrière, on va vous le présenter après. Et ça, des petits coffrets apéro, donc voilà, sympathique, avec 4 petits trucs pour quand ça va, on va venir, ou je sais plus quand c'est ça. C'est ça. Quand on va venir, comme ça, on pourra faire un petit apéro tranquille au départ et après manger comme des gros. Bien. Ensuite, on a oublié, c'est des pâtes au fromage. Ouais, j'ai vu celui-là, j'ai essayé de prendre. Ah ouais. Je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Et là on a oublié aussi le pain. J'ai oublié le pain. Et les 4 baguettes. Hein. Donc là on n'en a pas pris 3 paquets, on en a pris que 2. Mais au moins ils ne sont pas cassés et ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ça ne brille pas trop à l'écran. On a dit que ça brille un peu. Donc voilà. Ensuite on passe au gâteau. Les filles ils ont pris des gaufrettes chocolat et noisettes. Ouais, excellent. Ça t'aime bien ça? Non. Ouais, ça me fait. Il est tout bien. Ouais, c'est clair. Moi j'ai repris mes petites envies à yaourt. J'avais fait une petite pause, mais j'aurais pas dû. Parce que franchement ça me donnait toujours envie. Oh, ils t'ont manqué. Ouais, franchement c'est super bon. Les envies à yaourt sont vraiment trop bons. Et je vous les conseille parce que c'est vraiment un truc assez. Je veux dire, ça bouge pas, vous voyez. Vous pouvez en manger toute la machin. C'est ça que je vous les conseille. Vous pouvez tout manger, vous êtes pas bourré. C'est trop bien, franchement c'est excellent. Ensuite les filles ont repris aussi les napopo, les napolitains à l'original. Voilà. Et on a pris une petite galette des rois qui fait plaisir. Qui va être le roi? La dernière fois on en avait acheté une, c'est moi qui l'ai le fait. Bravo. Je le donne à la petite, mais voilà. Là, il y avait Lana qui a pris la couronne et Maë qui a pris aussi la fève, je lui ai donné. Voilà, donc vous pouvez voir. Galette des rois magnifique au chocolat, c'est aux franges pépites de chocolat, voilà. Aux franges, franges de pépites de chocolat. Ensuite, c'est pareil, on a repris des donuts au chocolat. Une tuerie, hein. Franchement, une tuerie. Depuis le temps qu'ils y sont, eux. Voilà. Ça fait longtemps qu'ils y sont. Et ça sent grave bon. Putain, ouais, ça a toujours le même goût. Après, bon, c'est chimique, on le sait. On le sait, mais c'est bon. Et des petits pains au chocolat que madame a pris. Voilà, on a pris des trucs tout simples. Moi, j'ai que ça. Toi, t'as ça. C'est très bien. Et là, on passe sur le super vitaminé. Ce que je prends à chaque fois. Franchement, c'est super bon. Même la dernière fois, j'étais en train de me dire, putain, j'en ai plus. Je l'ai pas dit à toi. Et je me suis dit, la dernière fois, je dis putain, j'en ai plus, ça fait chier. J'en voulais de nouveau, c'est super bon. Et puis en plus, ça donne des vitamines et tout, c'est vraiment c'est top niveau. Alors je prends des 4. Comme ça, t'en auras. Et j'ai pris le super smoothie plus vitaminé. Regardez-moi ça, contient vitamine E, vitamine C et vitamine B1, B2, B3, B6. Ça fait me plaisir. Vous voyez, je vous ai dit, c'est magnifique. Voilà, à toi. Ensuite, t'as pris du super smoothie plus énergie. Voilà. Les deux mêmes. Ah, c'est les mêmes. Ouais, les mêmes.
Et le putain, le super smoothie plus de défense, lui il est un peu moins mon préféré, je préfère les bleus là, les vitamines bleues là, bleu rouge là. Et ouais celui-là, smoothie, voilà, un peu moins bon, mais quand même pas mal aussi. Du coup, on a repris deux packs, cette fois-ci deux coca, une pour moi et ma fille, et l'autre ça sera pour demain avec ma mère, tout ça. Alors là, j'ai pris de l'eau pétillante et ça fait toujours plaisir parce que je me suis dit, je bois plus trop. Et quand je buvais ça, j'en buvais plein, et c'est pour ça que j'en ai repris pour boire beaucoup, vous voyez, beaucoup d'eau. Ensuite, on a repris du jus multifruit, celui-là il est trop bon, je le dirais toujours. Il est trop bon. Trop bon, moche. Et le lait, trop bon aussi. Trop bon, le petit lait, donc 6 petits laits crémés qu'on a pris à Super U. On parlait de certains trucs qu'on a pris à Super U maintenant, vous allez voir ça. Ensuite, c'est pareil, on a repris un sirop de fraise. Voilà, qui vient aussi de Super U, voilà. Voilà, là on a pris aussi une petite semoule fine que tu voulais. Ouais. Quantité supérieure, voilà, petite semoule fine pour faire des gâteaux. Voilà, petit gâteau semoule. Ensuite, des pâtes étoiles pour faire ta soupe. De pâtes. Super bien, avec un cube et tout par bas, ça peut être. Donc là c'est du petit sérum physiologique pour la petite, pour nettoyer ses petits yeux. Ensuite on a repris des cotons-tiges, voilà. Et on a pris des petites lingettes pour bébé, tout simplement. Alors on est rapide, on fait des trucs rapides, allez go go go. Et pour finir, on a repris des petites couches pour ma petite poupette. Ça arrive toujours plus. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très prochainement. Tout à fait. C'est-à-dire demain pour la vidéo. Pour la vidéo des... Les calendriers de l'Avent. Voilà, comme tous les jours, n'oubliez pas de nous suivre sur les calendriers de l'Avent. Ça fait toujours plaisir. Insta. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, les petits commentaires aussi. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut tout le monde. Ciao.